aisance. Regardez, s'il y avait eu un chef dans le groupe qui a chanté YMCA, Village People, eh bien, ça aurait été Fernio. Il en a choisi la chemise aujourd'hui. Ouais, je suis dans sa voilà. Boys band. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien, hein, dis donc. Mais j'ai aussi un drone pour filmer un grand chef, regarde. Merveilleux, non? La des technique. Images exceptionnelles, des vues aériennes à tomber. C'est ça aussi, Midi en France. Alors, on a avec nous la chance d'avoir un très grand chef. C'est Mario Wino qui nous accompagne aujourd'hui. Merci. Mâconnais. Et quand on s'appelle Wino et qu'on est en Bourgogne, quand même, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un truc. Et justement, il nous a fait une recette au vin aujourd'hui. C'est un dessert. Qu'est-ce que c'est, Mario? Alors, c'est une spécialité mâconnaise. On appelle ça une tulipe mâconnaise. C'est-à-dire, c'est une poire qui est cuite dans du vin rouge que l'on va aromatiser avec du sucre, de la cannelle et un peu d'agrumes. Donc, on va Une poire au vin, quoi. Une poire au vin. Mais mâconnaise. On va rajouter des fruits rouges du mâconnais. Et le fameux cassis de Bourgogne. Évidemment. Qui est là. Oh là 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 là, ça va être bon ça. Alors, voilà. Oui. Cette recette, on va vous apprendre à la faire façon Mario Wino. Regardez, alors, là, voilà. 50 minutes pour réaliser ça. Calme-toi, tout va bien. On est sur le coup, on est bien. Chef, n'ayez crainte. Vincent, avec Mario, aujourd'hui, bien sûr. C'est la poire pochée. Oui, regarde, on a fait chauffer le vin, Mario, hein, c'est ça? Oui, mais il faut le goûter avant. Est-ce qu'on le flambe, ce vin, normalement? Alors, on peut le flamber, dans la mesure où on a un feu au gaz, il va flamber automatiquement. D'accord, mais si, là, ça. Il va pas flamber parce qu'il n'y a pas de flamme. Donc, d'accord. On va garder l'alcool. On peut l'allumer autrement. Tout à fait, avec un briquet, on va enlever l'alcool. Mais nous, d'accord. On va conserver l'alcool. Oui, bah parce que la poire, elle boit bien. Hein. La poire boit bien. Alors, j'ai le goûter. Il faut toujours goûter, Vincent. Et je connais Mario. Hein. Moi aussi, je trouve des excuses pour boire un coup de pinard, au passage. Avec modération, tout de même. Mais bon. Non, ça va. Moi, c'est chaud, le vin chaud. J'en ai gardé un petit peu parce que j'ai trop de vin. J'ai gardé un petit peu parce qu'ici, devant l'église Saint-Pierre, j'ai gardé un peu pour le curé. Tu as bien fait. Qui prélève sa dîme, bien entendu. Voilà. Alors, donc, maintenant, on va faire bouillir le vin. Tu as épluché les poires. Alors, je vais éplucher les poires. Non, mais là, tu l'as déjà fait entièrement ou tu... J'ai fait entièrement. Donc, je vais couper également. Qu'est-ce que c'est comme poire, ça? C'est la passe-grassane. D'accord. Qui est une poire qui se tient bien. On coupe le pédoncule. Et alors, pourquoi il y a le morceau de cire au bout du pédoncule? Alors, on met un petit peu cette cire pour éviter qu'elle sèche, parce que c'est une poire qui est ramassée en octobre et qui dure jusqu'au printemps. Voilà, elle tient tout l'hiver. Sort couvert. Voilà, donc c'est une poire qui est charnue, est très charnue. Mmh. Et le fait d'immerger dans le vin, elle va absorber le vin, le sirop et les arômes qu'on va apporter. Donc on va plonger dans ce vin. Alors avant de plonger, pour qu'il y ait... Quand je vais au supermarché, moi je trouve des comices et des poires Williams, mais je trouve pas celle-ci. À la passe-grassane, si, c'est une poire dont la saison est plus courte que la comice. Mais comme on la conserve, comme disait Mario, pendant tout l'hiver, tu peux encore en trouver si elles ont été bien conservées. Alors, elle est bien charnue. Alors, pour qu'il y ait une bonne cuisson, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'éplucher. Ensuite, on va servir cet outil pour... Tu l'évides. Évider. Alors, il y a une petite astuce, parce que ça part pas comme ça. Donc, on va l'inciser avec le couteau. Ouais. Et ensuite, on va retirer cette partie-là. Ah, tu incises jusqu'au cœur. Voilà. Comme ça te permet de garder la queue pour pouvoir sortir la poire. Normalement, il doit partir. Tout doit partir. Voilà. Bien. Alors, voilà. On va l'immerger. Tu vois, on peut la tenir par sa tige. Si vous l'immergez, j'ai l'impression qu'en fait le pédoncule sert de périscope un peu. C'est un peu ça. Ça permet à la poire de voir au-dessus du vin. Bien sûr, de périscope, absolument. Le périscope tu as raison. Permet d'envoyer des torpilles sur le bord de la casserole. Ouais. Vas-y. Pourquoi on la vide en même temps pour apporter une cuisson très régulière? À la cuisson au centre de la poire. Pour que le vin chaud remonte au centre. Astuce sinon, Mario. Le cœur n'est pas cuit. Voilà. C'est plus long. Et donc, qu'est-ce que tu as mis dans ton vin? Excuse-moi, mais je vois que tu as des épices. Vas-y. On va mettre un petit peu de sucre. On va sucrer un petit peu le vin. Oui, quand même. Hein, parce que bon, on sait que le mâcon est très très bon, mais quand même, on va mettre un petit peu de sucre. Ah, c'est un mâcon rouge, ça. On est un mâcon. Non, mais je te demande. Hein, c'est un bourgogne rouge, quoi. Enfin, on met un pinot. Ensuite, on va mettre un petit peu de cannelle, soit en poudre, soit en bâton. En bâtonnet, si vous avez. D'accord. Ensuite. La meilleure vient de Ceylan, enfin de Sri Lanka. Oui, tout à fait. Ensuite, on va mettre un peu d'agrumes, donc de l'orange. Alors, soit des zestes, soit de l'orange. Des tranches. Moi, je préfère mettre des tranches. Un peu comme une sangria, alors. Si on veut, oui. Oui. On va immerger donc ce fruit. D'accord, ça sent très bon, là, dis donc. Et ça va donner un très bon arôme à la poire d'agrumes. Combien de temps ça va cocher? Il faut compter 15 minutes après l'ébullition. Allez.
On arrête et on laisse boire. On revient dans 15 minutes, imbiber, d'accord, Mario. Ce fruit. Mario, bah, on revient tout à l'heure. Pas de souci. Bien sûr. Allez, Mario, la poire pochée au vin, c'est avec Vincent. Tout Mario. Suite. Oui. Merci d'être venu. Alors, on a donc un cul de poule. On a cul de poule, un Vas-y, fouet. Tu vas nous montrer comment faire la pâte pour la langue de chat, pour la tuile en langue de chat. Voilà, c'est une petite préparation pâtissier. Hein. On va prendre le blanc d'œuf. Bah vas-y alors. Que l'on va dans un cul de poule. D'accord. Ensuite, on va casser un peu les blancs. Hein, un petit peu ouais, quand même. Pas monter, hein, juste casser. Hein. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour les liquéfier un peu. Tout à fait. Bon, c'est exactement le contraire de ce qu'on fait quand on fait une omelette. Hein, où il alors faut ensuite, on va du sucre glace. Du sucre glace, comme ça, il va fondre très facilement. Voilà, on va verser le sucre glace. Et là, on va remuer. Hein, d'accord. Remuer. On va quelque sorte meringuer, quoi, un peu, quoi. C'est oui. Hein, si on bat davantage les blancs, on fait une meringue italienne, effectivement. Ouais. Sucre glace et blanc d'œuf, c'est presque une meringue déjà. Voilà. Regardez ça. C'est marrant parce qu'on a déjà presque une glace royale. Hein, c'est une glace royale. C'est une glace royale. Pour la décoration pâtisserie. Je vous rappelle que lorsqu'on met sur des cupcakes, par exemple, du glaçage, c'est ça. Hein, c'est du sucre glace et du blanc d'œuf. Après, on peut le colorer. Après, on peut y rajouter d'autres éléments, mais c'est le début. Voilà. Et on rajoute la farine. La farine. Et c'est on tout. On rajoute la farine. On va rajouter le beurre, on va remuer du beurre quand même, oui, parce que j'allais dire. Un petit peu. C'est costaud là pour l'instant. Un tout petit peu. Là, c'est plus comme des croquants là. Ouais, mais si ça va être comme une pâte à crêpe. Regardez, comme cette pâte à crêpe. Faut bien remuer. Et ouais. Voilà, ça y est. Ça prend une belle consistance. Voilà. Ça fait pas de grumeaux. On évite de faire les grumeaux. Bon, on essaye, hein, en tout cas. Et là, le beurre fondu. On fait fondre. Mais noisette ou juste... Non, juste fondu. Juste fondu, d'accord. Regardez, hop. Le beurre. On va remuer. Voilà, doucement, parce que sinon. Je vais pas tâcher, Vincent. Ah non, mais je fais confiance. Remarquez, vu la chemise qu'il porte, vous pouvez y aller, ah bon Mario. Voilà. Donc, on a fini et on appelle ça un appareil. Préciser que cette chemise blanc, a été choisie par la production. Ah bon hein, ce n'est pas un choix personnel. Non, mais à mon avis, il y avait un prix de gros. Enfin, façon de parler, il y a Jean-Seb et lui pour la même chemise. Pardon. Voilà. Arrête de l'embêter, il est beau comme un cœur. N'écoute pas. Ensuite, on va. Oh, beau gosse. Non, mais il dit ça, parce qu'il a une chemise blanche. Vous laissez parler Mario, oui. Il adorait être en couleur, Laurent. C'est tout. Je vais me battre. En noir et blanc, là. On a l'impression de regarder la télé. On regarde la télé d'avant. Regarde. Ils sont partis là, on les retient pas. Alors, vas-y, alors ensuite, sur le papier cuisson. On prend une plaque, on prend un papier cuisson, paraffiné ou pas. On va légèrement, soit beurrer au pinceau, d'accord, soit avec un spray professionnel. Voilà, un petit peu de spray de matière grasse. Voilà, juste. Et, je vais mettre donc cet appareil. Quoi, ça y est. Ça y est, c'est fait, c'est là, prêt. La langue alors, de chat est prête. Vaut mieux laisser reposer un petit vas-y, peu. Vas-y Mario, ne te repose pas. Voilà. Donne ma langue au chat. Voilà, alors on fait des petits tas. Voilà, une cuillère et demie. On va l'étaler comme une crêpe. D'accord. Voilà, et on va mettre ça au four s'il est chaud. Et ça va faire le. Et ça va faire la blague, donc ça. C'est comme une crêpe. Et ensuite, on va lui donner la forme que l'on souhaite. Donc là, on va donner une forme de tulipe. Voilà. D'accord. Bon, mettre on la cette dans... crêpe bah, mais renversée. C'est celle-ci là-bas. C'est la tulipe qui est sous ton. Autrement, on peut faire une tuile également. Et dans ce type d'appareil, on peut mettre des amandes, on peut l'aménager de. D'accord. Plusieurs choses. À moins de griller. Vous avez vu, c'est simple quand même. Non, mais c'est incroyable parce que si je viens d'apprendre à faire les langues de chat en fait. Ouais, truc et astuce. Tu peux la donner ta langue. Ma langue de chat, on l'a faite. Voilà. Et là, combien de temps au four ? Je la mets au four. Ouais. Combien de temps, Mario ? Oh, il faut compter 3 minutes, 4 minutes. Tu ne reposes pas sur moi. Tout va bien. Tout va bien, Mario. Voilà. Bien. Alors, maintenant qu'on a fait l'appareil, on attend la cuisson. Et on revient tout à l'heure. Allez, à tout de suite, les amis. Si les poires sont presque prêtes. Merci beaucoup. Vous avez appris à faire les langues de chat. Vous m'avez gardé la main, Vincent, pour Mario et ses fameuses poires pochées au vin. Mario, regardez ce qu'il fait. Il est en train de mouler la langue de chat, enfin la tuile. La tuile, alors je vais la retirer. C'est simple, il va vous montrer, c'est très simple. En fait, lorsque la tuile sort du four, elle est malléable. Hein, on elle peut est molle. Faire ce que l'on veut avec. Regardez, voilà. Donc, alors, on peut la poser sur un récipient. Là, c'est un petit bocal. Hein ouais, tu peux mettre ce que tu veux, voilà. Quoi, une étoile. Ah ouais, sur les bocaux, c'est très voilà, bien. Voilà, mais il faut qu'elle soit chaude. Hein. Voilà. Sachant qu'elle va durer. Et là, on obtient une tuile déjà fanée. Ah oui, c'est comme une fleur qui fane, tu as raison. Elle se flétrit un petit peu, elle descend. Il faut la retirer aussi du four. Quand, voilà, quand pour qu'elle soit bien chaude. Bien prête, et donc, bon ça forme une coupelle. Voilà, tout à fait, coupelle. Dis donc, la poêle, elle est chaude aussi. Hein. La poêle est chaude. Alors, on va faire... Dedans, qu'est-ce que tu fais ? On va faire... Prendre un petit peu de vin. Vas-y, te jette de nos poires qui, fais comme chez qui toi. Lui, est bien. Ouh là là. Ah, ça chauffe. Hein. Ah bah la poêle était chaude. Hein. Ah bah, oui. Tu m'as demandé voilà. C'est chaud. Hein. Il faut ça chaud. D'accord. Ensuite, on va mettre les fruits rouges. On va verser. Là, on a quoi là ? On des a fruits du, rouges. Du cassis, des mûres, des framboises. Sauvages. De la groseille. Griotte, la groseille. Voilà. Et on va mettre un petit peu de
cassis. Ah, voilà. La crème de cassis. La fameuse crème de cassis, voilà. Bourguignonne. Là, on fait réduire. On fait réduire pour faire cette compotée. Combien pour accompagner 5 minutes. Hein, oui. Si on active un petit peu. D'accord. 5 minutes, ça va. Alors, je sirope. Ensuite, on nappe un fruit, ou alors, comme on l'a fait tout à l'heure, à froid. Cette préparation peut servir froide ou chaude. Mario, on rappelle qu'on a pris du Bourgogne rouge, hein, et que ce sont des arômes qu'on retrouve, hein, dans le Pinot Noir, dans les vins de Pinot Noir, c'est-à-dire le cassis, la framboise, la groseille, dans des Pinot Noirs bien faits. On retrouve donc sa basse marie parfaitement bien avec les poires au vin. Voilà, donc on pouvait voir la couleur de ces poires. Oh là là, on dirait des betteraves, dis donc. Oui, parce que ça a pris tout le tanin, donc de notre vin. C'est magnifique, hein. Voilà, mais il faut pas du macon. Hein. Ah d'accord, bah, écoutez, on va le faire. Hein. Moi, je suis aux ordres, d'accord. Voilà. Et on va ensuite dresser. Et on déguste dans combien de temps ? On va dresser. Alors, on va dresser. On va attendre que ça monte un petit peu. Et on va déguster. De suite. Voilà. Le dressage. Bah, très bien. Vas-y, redressement une deuxième parce que Lolo, il a faim. Il a faim. Moi, je le connais. Vas-y, regarde. On n'aura pas assez pour tout le monde. Hein. Alors, on va verser. Donc, ces fruits, cette compotée. Hein. Voilà. Que tu égouttes un petit peu quand même. On va égoutter, oui. Le mieux, c'est de la faire préparer. Tu vas égoutter avant d'y goûter. Oui, exactement. Je vais prendre une assiette. Oui, vas-y. Assiette. Ça y est, tu as tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Allez. Et ensuite, on va prendre la poire qui est là. Hop. On va la disposer. Elle a quand même une couleur absolument extraordinaire. Ouais, et est-ce qu'elle est colorée à cœur au bout d'une demi-heure ? On déguste tout à l'heure, Vincent. Il faut la faillite. Bien sûr. 3 ou 4 heures à l'avance pour que le vin puisse bien pénétrer à cœur du produit. Voilà. Cette poire pochée, là, vraiment, avec un maître, Maître Mario, qui vous explique comment les faire en 50 minutes à la maison. Vous pourrez réaliser la même chose. Et évidemment, on va venir déguster cette poire dans un petit instant. Alors, on a fait des poires au vin pochées avec Mario. Absolument. Et là, on va voir les belles étapes de cette recette. Avec Mario Vino, recette au vino. On regarde tout de suite comment on fait. Comment on s'est dit qu'on fait ? C'est simple. Hein. On a évidemment tous les ingrédients qu'il faut pour aromatiser le vin. Et alors, on va évider à moitié nos poires. Là, ce sont de belles passes crassanes qu'on fait tremper dans ce vin dans lequel on a mis alors de la cannelle, du sucre. Ah ben voilà le sucre, tiens, voilà. La cannelle en poudre ou en bâton, hein, selon qu'on ait l'un ou l'autre. Bien entendu, on y rajoute des zestes ou des rondelles d'orange et de citron, hein, comme ça. Tout ça va faire comme un vin chaud. Et ensuite, on prépare nos tulipes. Alors, on bat les blancs avec le sucre glace. On y rajoute la farine pour que ça soit bien onctueux, hein, bien lié. Ensuite, du beurre fondu à l'intérieur, beurre fondu ou beurre en pommade, hein, c'est-à-dire beurre à température. Et ça, c'est notre pâte à tuiles. Il suffit de l'étaler sur un papier sulfurisé qu'on aura préalablement enduit d'un peu de graisse de cuisson ou de beurre, même, hein, de beurre clarifié. Et hop, au four à 210 degrés, Mario, c'est ça ? Oui, 200 degrés. 200 degrés. Voilà. 200 degrés. Quand ça sort, c'est tout mou. Et pendant ce temps-là, on va le mouler sur un bocal. Et regardez, là, on va faire une tombée, en quelque sorte, dans un peu de vin réduit, une tombée de fruits rouges à laquelle on va additionner un peu de cassis, un petit peu de crème de cassis de Bourgogne. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire nos poires au vin dans la tulipe avec notre petite tombée de fruits rouges au cassis. Il n'y a plus déguster. Alors, regarde, fais déguster, allez-y, madame, monsieur. Comment c'est votre prénom ? Jeannine. C'est Jeannine qui s'y colle. Et avec elle ? René. Non, on a trouvé quand même des professionnels de la poire. René qui est un habitué, hein, il nous suit. René, il a fait 200 km aujourd'hui pour venir nous retrouver. Pour la poire. Merci, René. Il adore Midi en France. Et il fait le parcours avec nous. Comment elle est, cette poire, mon René ? Elle est bien, hein ? Ah oui, c'est bon, hein. Tout ça c'est très très bon, vous pouvez y aller vous aussi à la maison, maintenant vous avez la façon de faire les amis. Vous savez comment faire, toute la recette du chef qui lui va déjà saluer, alors que René et Jeannine se régalent, ainsi qu'Alicia évidemment qui n'en perd pas une miette, vous l'avez compris, voilà. On est ici à Mâcon, on y sera demain matin dès 10h50 les amis sur France 3. Vous savez quoi, vous l'avez entendu, il est bientôt midi en France.